Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter mon deuxième livre de coloriage pour adultes que je viens de sortir. Donc c'est le Liberty Animals. C'est un livre que vous allez pouvoir retrouver sur Amazon. Donc voilà, vous tapez Liberty Animals de Sabrook Digital Art. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver 30 illustrations à mettre en couleur. Voilà, c'est issu de ma création d'IA. En ce qui concerne la couverture, c'est moi qui l'ai faite entièrement avec ma mise en couleur. Donc, c'est un livre de format A4 que vous allez retrouver en couverture souple. Au niveau du dos, vous allez avoir 4 miniatures en fait, qu'il y a à l'intérieur à mettre en couleur. Donc, comme vous avez pu voir au niveau du titre, c'est sur le thème des animaux, évidemment. Donc, allez, c'est parti, on va le feuilleter ensemble. Je vais vous le faire découvrir. Donc, en première page, vous avez le titre du livre, hein, Liberty Animals, et quelques petits conseils, en fait, à prendre en compte pour votre mise en couleur au niveau du matériel, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre du matériel sec plutôt que du matériel humide, parce que nous sommes sur du papier Amazon, donc il est relativement fin. Donc, du coup, si vous voulez faire de l'aquarelle, ça reste compliqué, il va gondoler. Donc, deuxième page, c'est ma biographie, voilà, donc voilà, vous allez avoir une photo de moi et de ma choupette, hein, Pixel, avec toutes les infos, en fait, hein, sur moi, enfin, toutes les infos, non, peut-être pas tout, c'est pas un CV non plus, je vais vous dire, voilà, mais tout ce que il me compte, tout ce, enfin, tous les éléments qui m'intéressent et ce qui me concerne, quoi. Après, la prochaine page, vous allez retrouver toutes les miniatures. Donc voilà, j'ai fait une page miniature avec les 30 illustrations que vous allez retrouver à l'intérieur du livre. En fait, ça peut vous aider ou à les mettre en couleur. Une fois que vous avez fait votre dessin en couleur, vous pouvez le barrer ou vous mettez vos miniatures en couleur. Donc j'ai trouvé ça quand même très utile. Hop là. Et puis là, on va attaquer directement sur les dessins à mettre en couleur. Donc, nous sommes quand même sur du réaliste. Le thème, comme je vous ai dit, ce sont les animaux. Donc, j'ai voulu vraiment faire toutes sortes d'animaux différentes. Donc là, nous sommes sur du bulldog. J'ai fait un petit chaton. Un petit lapin. Ça, c'est mon félin préféré, le guépard. Petit poulain. Et petit agneau. Alors, en plus, quand j'ai fait ce livre, c'était le moment des grèves des agriculteurs. Donc, du coup, ça m'a inspiré aussi pour sortir quelques animaux de la ferme. Donc là, nous sommes sur du koala. Donc nous sommes quand même sur des illustrations en grayscale. Alors qu'est-ce que c'est le grayscale? En fait, ce sont des illustrations que je travaille en fait avec des nuances de gris. Comme ça, vous avez les ombres et les lumières déjà introduites dans le dessin. Et c'est plus facile à travailler. Hop là, donc là nous avons un tigre, la petite souris, la petite grenouille, un iguane. Donc, c'est un livre que vous allez pouvoir retrouver, donc, comme je vous ai dit, sur Amazon à un prix de 7,99 €. Vous avez 30 illustrations et je vous ai mis 2 pages bonus. Alors, les pages bonus, en fait, dans ce livre-là, j'ai voulu vous faire partager 2 illustrations du Manga Life, en fait. Le Manga Life que vous allez pouvoir aussi retrouver sur Amazon. Donc, j'ai voulu mettre celle-ci en page bonus. Donc, en tout, vous avez donc 30 illustrations plus 2 pages bonus. Ça fait 32. Donc, vous avez vu, je compte bien. Donc, voilà. Et j'ai mis celle-ci.
Ici, vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok, Instagram, ainsi que ma boutique Etsy. Là, vous allez retrouver donc le Manga Life avec les QR codes ainsi que Etsy aussi également. Et voilà, c'est fini. Donc et là, nous arrivons à la toute fin du livre ainsi que la couverture. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite de très bons colos, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.